Kathleen. Ah, Kathleen, les gars, c'est parti. Bah, fan de Renault, pas plus que moi, alors là. J'en ai Fan deux de Renault, plaques je de sais déjà toi. qui va pop, les gars. À 15 ans, j'allais voir son premier concert au Zénith de Les Paris. Prime Twitch, ouais, il faut les envoyer sur la chaîne de ma femme, Ah, Lulu. C'est sur la description je si tu veux. suis bien Merci, d'être hein. fan de Et Renault, t'as mes emotes d'accord. dessus. Quand Je t'envoie le lien. crever, ça va être triste. Ceux qui veulent qui veulent balancer Tu leur vas Prime sur ma crever. chaîne. Twitch. C'est une belle rousse, hein. Ouais, c'est à moitié rousse. Hein. Ça sent un peu, hein. Vous sentez un peu. Vous sentez un peu du vagin, hein, de la chatte. Vous avez une odeur particulière, les rousses. Ouais, j'en ai bouffé des chattes de rousse. Merci Padawan, merci pour l'ice cream, merci beaucoup. M'envoie une petite glace. Quand j'étais petite, pas petit. Mais comment ça passe, Caitlin? Regardez les gars là. Ah oui, ça passe, hein? Ouais, mais t'as pas grandi avec ces chansons comme moi. Je connais tous leur répertoire. T'es Prends-moi belle. une chanson, je te la chante ou je te la mets sur YouTube. La plus vieille, même si tu veux. Celle-là, Ça, c'est ce que je préfère. Attends, il va le dire. Ah, ma préférée, c'est Lola, c'est Morgane de toi. Hein. C'est Lolita, sa fille, hein, Morgane. Sérieux, ce putain? Ma gonzesse. Manu. Où est-ce que j'ai mis mon flingue? Je veux savoir si tu as monté. Tu montes ou pas, Renaud? Bon, je vais voir si... La blanche. Manu. Manu Ploquin? Ouais, Mistral gagnant, c'est la plus connue, c'est qui l'a mis en overbuzz. Ouais, t'as pas envie, Kathleen, hein, Florence, t'es très 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 belle aussi, toi. Ouais, je regarde le foot. Mais c'est un... Sauf que j'en ai marre de mettre des films de cul, il y a que moi qui le mate. Vous entendez les gémissements, moi, ça dérange les voisins. Je mets du foot, je l'écoute d'une oreille. J'aime pas être sans télé. Il me faut de l'ampoule, j'aime pas être dans le silence. C'est pour ça que je veux pas aller me faire enterrer au cimetière. Ouais! Ah putain, c'est vrai, le fameux samedi soir, le premier samedi du mois. On se réunissait, moi chez mon pote Alain, minuit, minuit 5, le journal du Hard à minuit 20, le film commençait. Attends, attends. Et tout le monde faisait le minot, on fumait le pétard, bien sûr, on mangeait des spaghettis, on mangeait des pizzas. La maman était couchée dans sa chambre. La pauvre mère, Il mon connaît pote, ses on a classiques, pu hein. voir toutes les couleurs. T'es chaud à Avec Mbappé, un là, sous la en RP. main, et puis. Et puis, quand on sortait de la pièce, quand le film durait 1 heure. Ça durait longtemps sur Canal, 1h40, 1h45. Des commentaires à la con. Maintenant, le net, c'est mieux. Tu mets un porno de 8 minutes, t'as des gros plans, des grosses des gros anus, des grosses sodomies. Non, pas pour l'instant, j'ai le temps. Et quand on sortait de chez mon pote à 2h30 du matin, Il gagne sa confiance, c'est très bien ce qu'il fait, Mbappé là. oh, non, ils m'ont fait souffrir, non, ils m'ont fait pleurer là-bas, ils m'ont fait galérer, ils n'avaient pas la tête à ça. Ce qu'on n'a pas en troisième année en école de troll, c'est pas Mais mal quand ça. on sortait de la pièce, on rentrait chez moi avec mon voisin, on passait par l'espace vert et on balayait branlette dans l'espace vert. À 2h30 du matin, déjà culé avant de rentrer chez soi. Ah.
rien à foutre avec mon copain, c'était mon voisin d'enfance. On était à l'école ensemble. On avait le même âge, un an d'écart. Mais je l'ai fini par le lâcher, il était trop con. Il était trop timide. Il était trop timide, il avait peur de tout. Il avait peur de tout, il n'avait jamais de clope. Toujours c'est moi qui lui fournissais les Marlboro, parce que j'ai commencé à 14 ans. Ah ouais, le R, oh, c'est ton préféré? Ouais, le R, il nous déçoit jamais quasiment, franchement. J'ai testé l'homosexualité, là, mec, j'ai testé. J'ai même enculé un mec, ça c'est vrai. Mais ça s'arrête là, c'était l'expérience. Je suis pas bi, mais j'ai testé. Je me suis fait sucer par des mecs à l'armée. Voilà, il était trop curieux. Maintenant, je peux mourir, je sais ce que c'est. Moi, mon trip, c'est le trio, c'est deux nanas et ma gueule. Par contre, voilà, mais de toute façon, si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir ce qu'on aime. Hein. Moi, j'aime bien qu'on me pipe royal, qu'on me mette. Tiens, je vais poser la question aux nanas qui sont là. Non, justement, j'allais y venir. J'ai tout fait au mec, sauf que moi, on n'a jamais touché à ma rondelle et moi, je n'ai jamais pipé un mec. Jamais. Pourtant, on m'en a taillé des pipes et j'en ai en... Non, j'en ai pas enculé tant que ça, des mecs. Ça se compte sur le doigt d'une main. Mais on m'a jamais touché à mon intimité. Ouais. Et tu vois, c'est les putes noires qui sont capables de faire ça. Ouais, parce que les Françaises, elles n'osent pas. Mais une blackose, tu lui donnes un billet de 20 en plus, elle te lèche le cul, t'as un anu. Elles sont connes, les Françaises. En bas au bois de Boulogne, les Brésiliens, à 3h du matin, ils vont pas de Stéphane. Non, mais j'étais en Allemagne déjà. J'étais en Allemagne. Ça se passait dans la chambre, dans l'après-midi, quand les autres ils étaient au... Ah bah oui, Mbappé, t'es vraiment dans le vrai là, je le vois. T'es trop chaud, RP. Des camions de pain ou de passer la tondeuse. Tu vas être son pote, je suis sûr que tu vas monter. Ou de s'occuper de la cuisine. Il se confie depuis tout à l'heure, il y a Mbappé, les gars. Dans la chambre avec le PD, bah, tu disais, vas-y, viens là, allez Fred, je m'en souviens, ils appelaient Fred. Il a fait l'armée exprès pour se faire enculer et tailler des pipes. Il taillait des pipes, c'était sa gâterie, c'était son moment préféré. Il avalait, il suçait bien.